What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une information, il y a un 7ème coffre qui est disponible dans le caveau de verre. Donc ça nous aidera sûrement pour mardi prochain puisque le raid d'Athéon sera disponible mardi prochain. Tout d'abord je tiens à dire que cette information a été divulguée sur Reddit, que c'est un abonné qui s'appelle Sébastien qui m'a donné cette information. Un grand merci à toi. Et du coup voilà, donc on a voulu vérifier, on a été par nous-mêmes. Ça se trouve directement dans le puits du Templier, donc c'est juste après l'ouverture du raid. Vous passez par en dessous, je vous montre un petit peu le chemin. Et à ce moment-là, vous avez un espèce de labyrinthe, vous avancez. Et tout au fond, vous allez trouver un spectre. Donc pour l'instant, il y a uniquement que des énergies d'ascension, voilà. Mais sûrement que la semaine prochaine, avec le défi et donc le raid en 390 de lumière, on va pouvoir looter dans ce coffre. Donc peut-être un coffre exotique, peut-être un coffre avec autre chose. Mais voilà, il y aura sûrement un loot puisque vous le savez, dans les raids à 390, il n'y a plus d'éclat et il n'y a plus d'énergie, voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de Destiny, ça fait très longtemps qu'une rumeur que beaucoup de gens cherchaient dans le caveau de verre un 7ème coffre. Et du coup voilà, Bungie l'a mis cette fois-ci avec la mise à jour. Il est directement dans le puits du Templier, donc au moins la semaine prochaine vous saurez qu'il faut passer par là pour ouvrir ce coffre avant d'arriver à l'étape du Templier. J'espère vraiment que cette petite info, cette petite exclue vous plaira. Et puis j'espère surtout qu'il y aura du loot intéressant la semaine prochaine à récupérer dans celui-ci. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss. Gardien à terre.